Donc, bonsoir, alors on continue notre étude sur la TRIA. On est au paragraphe Yud-Bet. Je ferme ça, ok, pas de problème. C'est bon. Tanou Rabanan. Souma, ou Michelo Echol le Chaven et Aruchot, y Chaven et Libo, le Aviv, Sheba Shamaï. Ce qui veut dire. Celui qui est aveugle, ou bien il ne peut pas s'orienter selon les points cardinaux parce qu'il est dans le désert, il n'a pas de boussole, et il a perdu la boussole comme on dit. Donc il ne peut pas se diriger vers Jérusalem, il ne sait pas quelle est la direction. Et bien qu'il ait la kavana de prier vers son Dieu qui est au ciel. Donc techniquement il n'oriente pas son corps vers Jérusalem, au niveau de la pensée, il s'élève directement vers le divin. Ça, c'est l'alakha. Donc, qu'est-ce que ça laisse comprendre, cet alakha? La Kabbalah tachlitit, la Kabbalah t'enlève la vie Sheba Shamayim. Il est bien clair que la finalité de toutes nos intentions est d'arriver vers Dieu. De Kirvato veretzano. D'arriver à sa proximité et à sa volonté. C'est-à-dire de faire en sorte que ma volonté soit identique à la volonté de Dieu. Ça, c'est là l'objectif final. Omlam rabu me'od adrachim arukim shizechim liot betoch agdamot shemiviot lashlim chefetz avinu shebashamayim. Il s'avère qu'il y a de longs chemins qui doivent être des introductions, on va dire, qui nous amènent à cette perfection du désir de notre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, on n'y arrive pas directement, il y a des chemins intermédiaires pour arriver à Dieu. La perfection, la meilleure, évidemment, est de s'orienter vers l'objectif final qui est d'arriver à Dieu, mais aussi d'élargir ses conceptions et ses comportements de manière à passer par les moyens qui sont grandioses et nombreux que Dieu nous a tracés. Comment arriver à lui? Azemore kivu naruchot. Donc lorsque l'Alakha nous dit qu'il faut nous orienter vers Eretz Israël, toujours on avait l'habitude vers l'Est, mais en fait c'est pas d'après vers l'Est, ça dépend où on habite, et comme la plupart du temps on était à l'Ouest, donc on... Il faut s'orienter vers Eretz Israël. Et si on est en dehors d'Israël, vers Eretz Israël. Si on est Eretz Israël, vers Jérusalem. Si à Jérusalem, vers le Beth Amikdash. Qu'est-ce que cela est censé forger dans nos pensées? Shargashot aloumiyot shebi Israël, be'atzman marchirot et alev l'avodat Hashem. Eretz Israël, c'est notre pays. Donc c'est notre direction nationale, on va dire. Donc ceci, notre cœur en disposition adéquate pour le service de Dieu. Chez nous, la tendance nationale est une tendance sainte qui est censée élever l'homme. Adam nous dit, quand tu pries, oriente-toi vers Eretz Israël. Ou mais romement est ta date, gamlakir, erech mitzvotea shel Torah velarsotan me'ava. Et plus encore, ceci élève notre conception, nos pensées, de connaître la valeur des mitzvot, de la Torah, et de les faire avec amour. Donc ça c'est, on va dire, le chemin royal, comment arriver à Dieu. Par le biais du nationalisme, l'amour d'Israël, la volonté de renforcer la nation d'Israël, et c'est comme ça qu'on arrive à Dieu. Aval, par contre. Il y a des gens, on va les appeler des petites têtes comme ça. Ils ne sont pas capables de comprendre ce processus complexe. Que pour arriver à Dieu, on doit passer par le biais de l'amour de la nation. Ce qu'on appelle le nationalisme, la tendance nationale. Ou ba'aricha la vaderech, isher b'emsa. Et donc le risque est que, si on lui allonge trop le chemin,
il risque de s'arrêter à mi-chemin. Viomar bedato, kelo miyut, shoutofes bisrael, iketz kolachazon aruchani akadosh. Il pourrait se tromper à croire que le nationalisme que lui perçoit, tel que lui le comprend, qui est très souvent calqué sur le nationalisme des autres nations, eh bien c'est ça l'objectif spirituel le plus saint. Et donc il s'arrêterait à mi-chemin et n'arriverait pas à la proximité de Dieu. Alors qu'en fait, il y en a qui madracha. Alors qu'on sait très bien que le nationalisme n'est pas un objectif en tant que tel, mais un moyen de rapprocher l'individu ne vous entend plus. À Dieu. Vous m'entendez là? Ça marche? Vous m'entendez? Voilà, ça va bien. C'est bon, ouais. Bon, c'est des arrêts, je sais pas pourquoi. Donc, alors qu'en fait, il n'y a qu'un moyen qui amène au but. Évidemment, Bishamra, Bikol, Darker, Chaim, Magdolim, Shel Torah Tachem, Nemana, si seulement on fait bien attention à respecter tous les chemins de la vie grandiose de la Torah de Dieu de manière fidèle. Mais lui, n'ayant pas une tête trop, on va dire, développée, il s'arrête à mi-chemin et il pense que en adhérant au nationalisme qui est copie-collé du nationalisme des autres nations, c'est ça le but final. Alors si on sait qu'on a affaire à un personnage de ce genre, qui ne peut pas comprendre des pensées complexes, disons, il pense en noir ou blanc. C'est-à-dire qu'on dit Tamet, Shelo Yova Detika Atachlit. Donc il faut s'efforcer qu'il ne perde pas l'objectif essentiel, qui est, en fin de compte, de se rapprocher de Dieu. Et bien alors, Yichaven et Libo la vie chez Vachamay. Et bien qu'il s'oriente directement à Dieu, sans passer par le nationalisme. Je veux que Ravanat Anekuda Tachlitit, Yikolu Koladachim Avim Ela Vechazde Hashem. Parce que si au moins il maintient la finalité essentielle, qui est la proximité de Dieu, ben tout marchera comme il le faut. Donc pour résumer, on a une halakha qui dit la chose suivante. Quelqu'un qui est aveugle, ou bien qui n'a pas de boussole et qui est perdu dans la nature, et qui ne peut pas s'orienter vers Jérusalem, vers Eretz Israël, et ben qui ferme les yeux, peu importe comment il s'oriente, et il pense à Dieu. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Que le chemin normal d'arriver à Dieu doit passer par Eretz Israël, par le bien de la nation, par la tendance nationale, ça c'est le chemin royal. Et de là on en arrive finalement à la proximité optimale de Dieu. Mais si on a affaire à quelqu'un qui n'est pas capable d'embrasser une réflexion si profonde, et que si on lui demande de passer par cet intermédiaire du nationalisme, il risquerait d'être coincé en route et de ne s'arrêter qu'à cela, alors mieux vaut qu'il enjambe ce moyen et qu'il tende directement vers le divin, sans être nationaliste, en espérant que plus tard, il comprendra qu'il lui manque un étage dans sa personnalité et rétroactivement, il ira compléter et combler ce manque. C'est clair? C'est-à-dire, si on veut parler politique simple aujourd'hui du point de vue des courants de pensée qui existent dans la nation, on pourrait comprendre cette pisca du Rav Kook qu'à choisir entre quelqu'un qui est nationaliste mais qui est déconnecté de la proximité de Dieu, ce qu'on appelle aujourd'hui les sionistes non religieux, qui ont un enthousiasme très très fort pour le bien de la nation, pour la construction du pays, etc., mais qui ne comprennent pas la nécessité de se rapprocher de Dieu. Et d'un autre côté, on a d'autres qui sont très très accrochés à Dieu, mais qui ne comprennent pas du tout la nécessité du nationalisme. Alors si déjà, il vaut mieux le deuxième profil, en espérant que plus tard, ils compléteront ce qui leur manque. Ce qu'on appelle aujourd'hui les Haridim en Eretz Israël, qui s'investissent énormément pour la proximité de Dieu, l'étude de la Torah, des mitzvot, etc. Mais ils ne comprennent pas en quoi le fait d'adhérer au sionisme et au nationalisme est un moyen d'arriver à Dieu
Et s'il s'y adonnerait, il risquerait de partir en perdition et d'oublier l'objectif. Donc comme on a affaire à des gens pareils, Dieu fait en sorte qu'il s'agrippe directement à la finalité, bien que évidemment c'est un manque, on ne peut pas totalement se rapprocher de Dieu en enjambant ce stade, mais c'est mieux que rien, et c'est moins grave que le premier cas de figure. Top. Yud Gimel. Peulat ha-tefila hi mitzad ha-dvekut be'elokim shela. Ça veut dire, l'effectivité de la prière dépend de la proximité de Dieu. C'est-à-dire, il ne faut pas, comme on l'a dit à plusieurs reprises, il ne faut pas croire que la prière, c'est des formules magiques qui font changer les choses. Plus tu es proche de Dieu, et plus ta prière a des chances d'être exaucée. Et maintenant, il va expliquer comment ça marche. Advekut osa et atzura doma la yotzra. La proximité de la créature, de l'homme, avec le divin, fait en sorte que la créature devienne ressemblante au divin. Plus tu es proche, qui se ressemble s'assemble. Si tu t'assembles à Dieu, petit à petit, tu commences à ressembler à Dieu. Évidemment, on peut traduire par attachement à quelqu'un, c'est attachement, proximité, rapprochement. Okay. C'est clair. C'est tout notre rôle dans ce monde, se rapprocher de Dieu par les midot, par les déot, par les gachot, par les mitzvot. Tout notre rôle est de se rapprocher de Dieu, d'être de plus en plus divin, de permettre au divin de plus en plus apparaître dans notre personnalité. Maintenant, évidemment que plus tu te rapproches de Dieu, plus tu deviens ressemblant à Dieu. Mouvlat bekocha elyon. Et tu es presque avalé dans la force divine. Vesgulat advekut, hi. Shiboto ateur, shadvekut elohit nitztaira, poalet yet peulata bofen yoter nirgash. Ça veut dire, plus on comprend exactement comment s'approcher de Dieu, qu'est-ce que le dévoilement de Dieu dans ce monde. Et ceci est une résultante d'une étude approfondie des études de la Emouna. C'est-à-dire, si quelqu'un ne s'adonne qu'à l'étude de la technicité de la Torah, ce qu'on appelle la halakha, eh bien, très, très souvent, ces conceptions du divin volent très très bas, voire sont très primitives. Pour élaborer une pensée profonde et comprendre comment Dieu se dévoile dans ce monde et à quel dévoilement nous devons adhérer et suite à cela forger notre personnalité, ça nécessite une étude approfondie de ce qu'on appelle la discipline de l'imoudé à l'imouna. Donc plus ceci est développé dans la personne, plus ceci est ressenti, cette proximité de Dieu. C'est-à-dire lorsqu'on prie, qu'est-ce qu'on veut dire par là en fait? On espère de tout cœur que ce souhait se réalise. Évidemment, si ce souhait va dans la ligne de la volonté divine. Vabitui ba moula Elohim. Et c'est l'expression qui sort de ce personnage grandiose qui réussit à forger sa personnalité de manière proche des dévoilements divins. Ça veut dire, comme ils disent dans Chazal, Maouachou, Mafatarachou, Maouchanoun, Mafatarachanoun, de la même manière que Dieu miséricordieux soit toi aussi miséricordieux. Et ainsi de suite, il y a une liste interminable. Et c'est comme ça que de plus en plus, tu deviens de plus en plus proche de Dieu, ressemblant à Dieu, d'avec Hashem. Donc, plus nous avons une connaissance développée dans le thème de la divinité. Ça, c'est un. C'est-à-dire une étude approfondie de l'Emouna. Une purification de nos actions. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'arvérot. Ve'amidot. Les vertus. Chez Kadmoula, qui précède, parce que la première des choses à développer dans notre personnalité, c'est d'abord et avant tout les vertus. Donc, en fonction de tout cela, Ko adzekut yotza la poil. Alors,
cette union qu'on a avec Dieu, ce lien profond qu'on a avec Dieu, est mise à l'œuvre. Vardout aklalit mitgala, cette unité générale de Dieu apparaît à travers cet homme qui prie. Vashlita uchanit l'arbot chesed agana vetova muzrach adishlal saver. Et cette maîtrise, ce contrôle, cette gestion spirituelle, divine, de rajouter du bien, de la protection, rayonne dans toutes ces différentes nuances, différents aspects, comme il est dit, lorsque le tzaddik tranche avec ses lèvres des souhaits, des prières, ceci se réalise. Mais alors pourquoi ça se réalise? Parce qu'en fait, il veut intensément ce que Dieu veut de toute manière. C'est pas qu'il a rentré une nouvelle idée dans la tête de Dieu. Dieu voulait énormément que Jérusalem soit reconstruite. Mais il lui fallut qu'il y ait dans ce monde un être, un juif, qui lui aussi le veuille intensément pour qu'il puisse faire accouler dans ce monde ce flux divin de volonté de la reconstruction de Jérusalem. Donc il est dans la continuité directe du divin. Donc ses souhaits, ses paroles ont un effet actif sur l'existence, tout comme la parole de Dieu. À propos de Dieu, il est dit « Baruch she'amar v'haya olam » « Béni celui qui a dit et le monde fut ». La parole de Dieu est créatrice. Eh bien, un homme d'Israël a une potentialité lui aussi créatrice. Il suffit qu'il enlève, qu'il se décrasse, on va dire, de toutes les barrières entre lui et Dieu, qui sont les fausses conceptions, les sales sentiments, les faux comportements, les sales comportements et les sales traits de caractère. Et alors, il a tout fait sauter, toutes les barrières, et il devient transparent au divin. Et alors, sa force, cette potentialité de force créatrice est mise à l'œuvre. Et lui aussi, alors, à son tour, ses paroles agissent sur l'existence. Tzadik Gozer, Akadosh Baruch Hu Mekayem. Le tzadik décrète et Akadosh Baruch Hu réalise. En fait, parce que le tzadik dit très fort, avec une extase très très profond, ce que Dieu, de toute manière, voulait qu'il se réalise. Donc, la piska d'après va dans le même sens, regardez. Plus l'homme élève sa morale, ainsi sa volonté s'élève. Ça veut dire, élever sa morale, c'est pas seulement au niveau comportemental. C'est d'abord, avant tout, au niveau des conceptions, des aspirations. Dans quelle sphère tu vis? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de la vie? Gagner de l'argent, bien manger, profiter de tous les plaisirs, ou bien tu es un idéaliste électrifié de l'idéal divin. Donc, le développement de notre personnalité au niveau de la morale est censé élever notre volonté constante à des sphères très très hautes, qui sont les sphères divines, ce qu'on appelle les sphirot, dans le langage de la Kabbalah. Sphirot, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et bien, Rav Kook traduit de manière très très simple. Les idéaux divins. Idéalim Elohim. Il y a des Mekoubalim qui appellent ça Midot Hashem. D'autres qui appellent Asferot Elohiot, les Sphirot. Et Rav Kook, qui a traduit la Torah de la Kabbale comme cela n'a jamais été fait dans toute l'histoire, apporte ça à notre perception la plus claire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce sont les idéaux divins. Ce que Dieu attend de son monde. Bon, lui, il attend de son monde. Reste à savoir s'il y a dans ce monde des gens qui attendent les mêmes choses, qui veulent les mêmes choses, qui sont enthousiasmés des mêmes choses. Et alors, quelqu'un qui s'est élevé à ce niveau et qui de manière naturelle vit dans cette sphère constamment, ça veut dire, ce qui l'enthousiasme ou ce qui l'attriste, pas qu'il y a beaucoup d'argent à gagner ou un bon steak à manger, ou bien que sa voiture est cassée, ou bien qu'il a perdu de l'argent. Ça, ça lui fait ni chaud ni froid.
S'il sait qu'il y a un grand avancement dans le processus de la Géoula, tout d'un coup, il y a 1 million de juifs qui arrivent en Eretz Israël, il explose de joie. S'il sait, Chas v'Shalom, qu'il y a des soldats qui tombent sur le champ de bataille, eh ben, il en pleure toute la journée. Il n'est pas indifférent à la situation du peuple d'Israël. Il ne vit que la dimension du peuple d'Israël. L'avancement du peuple d'Israël, sachant que le peuple d'Israël est le dévoilement optimal de la divinité dans ce monde. Donc lorsque le niveau d'Israël est rabaissé, c'est une profanation du nom de Dieu dans le monde. Lorsque l'image de marque du peuple d'Israël est réélevée, c'est une sanctification du nom de Dieu dans le monde. Et c'est en fonction de cela qu'il vivra différents états d'âme, de joie ou de peine. C'est dans cette sphère qu'il vit de manière naturelle, et non pas artificielle. Il se dit, oh, pour être religieux, il faut penser à ceci, etc. Il ne pense à rien d'autre toute la journée. Et alors, quand on a affaire à un homme de cette classe, on va dire, « Afilo ratzon ativi l'achaim » c'est cet homme-là, alors même la volonté la plus naturelle de la vie. « Le kol davar shemit kasher beratzon la nefesh » tout ce qui se lie, la volonté de l'âme, comme les volontés les plus triviales. Manger, boire, dormir, se reposer, toute autre activité. « Sheotam advarim atzman be'enam » Kol ben adam vegam kama balei chaim chafetzim bahem. Et a priori, quand tu l'observes agir, ben ça ressemble exactement à ce que font les autres hommes et même les animaux. Un animal qui boit de l'eau, ou un homme qui boit de l'eau, bon, c'est pareil. C'est de rentrer des liquides parce qu'il manque des liquides. Ben lui aussi, il boit de l'eau. Alors quand on voit, on dit c'est pareil. Mais c'est là toute la différence. Mais kablim et tzela neshama mizukechet tzora adina. Cette âme grandiose, alors même les activités les plus élémentaires s'élèvent à une sphère très très haute, avec des intentions très très profondes. Tout est relié au même objectif constant. Quoi qu'il fasse, il ne perd pas de vue une seconde de sa journée cet objectif constant, qui douche Hachem Baolam, l'avancement de la Géoula, l'avancement du développement de Dieu dans ce monde. Et quoi qu'il fasse, c'est toujours dans cette considération qu'il le fait. Jamais, même pas une seconde de la journée, il ne perd de vue et de cœur cet objectif. Italuta Eliona, cette élevation suprême. Abba l'idée Louis Ratson, c'est l'idée d'Elohim, qui arrive suite à une élévation de la volonté qui vient suite à une connaissance de Dieu dans le sens. Adam a connu sa femme, ça veut dire une relation intime avec Dieu. Quand on parle de connaissance de Dieu dans la Torah, Da'at Elohim, on ne veut pas dire combler sa curiosité et s'emplir de connaissances et d'emmagasiner ça dans la mémoire. Connaissance de Dieu, c'est un lien intime, constant, profond, empli de vie avec Dieu. Comme un homme amoureux fou de sa femme. Quoi qu'il fasse, il ne pense qu'à sa femme. Il n'y a pas de temps à autre, il pense à sa femme, après il va au boulot, après il épluche des patates, après il prend sa douche. Quoi qu'il fasse, il est toujours dans cet objectif. Il vit toujours dans cette sphère. Il est toujours en constant contact avec Dieu. Allez, Dekirvat Elohim. Achoderet et Arayon. Cette proximité de Dieu pénètre sa pensée. Son intellectualisme, ses sentiments, ses aspirations, ses désirs, assoir un art qui parfois sont en ébullition, parfois sont calmes, mais c'est toujours, toujours, toujours la même chose. Hachem, Hachem, Hachem. Il m'a alat qu'on dit c'est un ratson et l'on dit c'est un. Donc, quelqu'un qui vit de cette manière, alors même les plus petites étincelles de sa volonté, même quand sa volonté s'occupe de choses banale, triviale, elle s'élève toute à cette sphère. Hachem itardim imashifa klalit shalashemut agmura shalahor eloki. À tel point que quoi qu'il fasse, quoi qu'il pense, quoi qu'il ressente, c'est toujours, toujours, toujours relié avec
cette aspiration générale de la perfection la plus grandiose et du dévoilement le plus fort de la lumière divine dans ce monde. Ashofa ba'olam, l'Itano ki uvechaim, ce dévoilement divin qui afflue dans ce monde pour lui donner existence et vie. Donc là, on vient de décrire le profil de ce tzaddik. Il est décrit dans Rota Teshuvah, c'est des gens qui ne perdent pas une seconde le contact avec Dieu. Juste pour vous donner un petit peu l'ambiance. Juste pour vous donner un petit peu l'ambiance. Dans Rota Teshuvah, Rav Kook parle de tzaddikim qui constamment sont en conscience de Dieu. Et il arrive que une seconde par jour, ils ne pensent pas à Dieu. Alors ils se sentent totalement détruits. Ils ont l'impression d'avoir le péché, d'avoir fait le péché le plus grave, comme si que nous, les communs des mortels, on venait d'assassiner une personne. Ils se sentent exactement détruits de la même manière si une seconde dans la journée, ils n'ont pas pensé à Dieu. Après, bien leur coup qui dit, top, ça, c'est les tzadikines de deuxième choix. Les très très grandes tzadikines, ça ne leur arrive jamais. 24 heures sur 24, ils sont en contact constant avec Dieu. Il peut arriver, il dit, que parfois ils sont en contact par le biais de l'amour et parfois en contact par le biais de la crainte. Alors quand il a de l'amour, il n'a pas de crainte, et quand il a de crainte, il n'a pas d'amour. Une bribe de seconde, il se sent totalement détruit. Et après, il se renchérit encore plus, le Rav Kook. Tout ça, c'est marqué dans Rota Teshuvah. Il dit, les véritables géants, les grands tzadikim, ceci ne leur arrive jamais. Ils sont constamment en écoute d'Hachem, et constamment par amour et par crainte, mais que peut-être leur péché, entre guillemets, c'est que l'équilibre n'est pas parfait. C'est pas 50%, 50% de Hava, de Ira, ça risque d'être 49, 51, 51, 49, et ça, ils se sentent totalement détruits. Donc, d'où le Rav Kook, c'est tout ça, probablement de son expérience personnelle. Comme pas mal de paragraphes dans les écrits de Rav Kook, c'est un paragraphe autobiographique, évidemment. Donc c'est ce deux genres de personnes dont on traite dans cette piska. Et alors, lorsqu'on en vient à éveiller une telle volonté, ça veut dire, que c'est de réveiller une telle volonté? Par exemple, vient une femme qui n'a pas d'enfant, et qui est très attristée, voilà déjà 10 ans qu'elle n'a pas d'enfant. Elle vient chez un grand tzaddik pour qu'il prie pour elle. Donc on éveille la volonté du tzaddik de vouloir que cette femme ait un enfant. Un exemple. Ou bien l'Oalenu, quelqu'un, je sais pas, qui a la maladie du cancer, et qui a tout essayé, tous les remèdes, et ça n'a pas marché. Et il va rencontrer un grand tzaddik pour qu'il prie pour lui. Entre parenthèses, pas de rapport avec les Piska, mais je vous conseille vivement de ne pas tomber dans le piège de tous les pseudo tzadikim charlatans qu'il y a sur le marché. Et qui sont des machines à sous. Fermons la parenthèse. Mais là, on parle d'un vrai tzadik. Lorsqu'on éveille une telle volonté, à l'idée de galout très fait ce tzadik qui s'adore l'âme, et qu'on arrive finalement à ce que ce tzadik dévoile son désir, et ce tzaddik, il est yesod olam, il est un des fondements du monde. D'un homme tel qui vit sa vie de manière éclatante de lumière, de la lumière du vivant de tous les mondes, la lumière de Dieu, alors, amez-vous caché, mitmalim, voilà que les souhaits sont exaucés. Alors on se demande, pourquoi quand c'est moi qui prie, je suis pas exaucé? Et quand c'est lui qui prie, il est exaucé. Ashilton Ilgaber, la gouvernance de ce tzaddik sur l'existence se renforce. Mipene or Elohim amitnatzet veratzon. Ça provient de la lumière divine qui scintille dans cette volonté pure de ce tzaddik, shel miluat ha-chokhma, et qui est, elle, cette volonté pure, est une conséquence directe d'une sagesse très profonde et d'une bonté de cœur très profonde.
On ne sait chez nous, dans le peuple d'Israël, envisager un véritable Chacham qui n'est pas empli de bonté envers toutes les créatures. Chacham, c'est la même valeur numérique que Chaim. C'est quelqu'un qui vit et qui donne la vie aux autres. C'est pas un grand savant qui a beaucoup de connaissances dans la tête. Chez nous, ça, c'est pas un Chacham. Et en aucun cas, ça pourrait être un autodidacte. Un véritable Chacham, c'est quelqu'un qui a côtoyé un autre Chacham, qui est plus grand que lui, qui ce Chacham lui-même avait côtoyé un autre Chacham plus grand que lui, et la chaîne remonte jusqu'à Moshe Rabbeinu qui a côtoyé Dieu au Mont Sinaï. C'est cette même lumière qui a été reçue au Mont Sinaï, qui passe de génération en génération, à l'Ederabanan, Vetalmideon, Vetalmide, Talmideon. On parle d'une lumière, et non pas d'une accumulation de connaissances. D'une lumière de quoi? De bonté. Bonté de cœur, d'idéalisme, de volonté constante d'améliorer les choses, qui vient de la source divine qui est toute bonne. Amechaye et akol. Le divin fait tout vivre. Boutov adonai lakol valachama valkol maasav. Dieu est bon pour tous, et sa miséricorde est pour toutes ses créatures. Donc un véritable tzaddik, c'est de cette matière qu'il est forgé. Et pas parce qu'il est capable de réciter par cœur. Dans quel pas ça se trouve, dans le Talmud, etc. Ça c'est bien pour faire de la frime, mais c'est pas ça qui caractérise un tzaddik. Un tzaddik n'est autre qu'un idéaliste brûlant d'idéalisme. Pour le bien de tout ce qui existe. Comme Dieu. Adam et Hayat Kulam. Keshemegale Adam Kazet Retsono. Alors, lorsqu'un tel homme en vient à dévoiler sa volonté, à l'aider de Galut Nefesh Al-Tfila, par le biais de la prière, O Cheyolamim Ilgale, mais il s'avère que la lumière du vivant de tous les mondes, la lumière divine, apparaît par le biais de sa volonté. Il n'est que dans la continuité, c'est un tuyau qui continue le tuyau du flux divin dans ce monde, sans aucun barrage, car il a enlevé tous les barrages. Or, Chaye Olami Mitgalé, à Netivot Achefetz, dans les cheminements du désir profond, à Mevouté Basafa, qui est exprimé par les lèvres, par la langue. Il y a une importance particulière, lorsqu'on prie, de trancher les mots avec les lèvres et non pas seulement les pensées. On ne peut pas prier seulement avec les yeux, en lisant le texte dans le sidour. Il faut dire les mots. D'un autre côté, il ne faut pas les dire à voix haute, pour deux raisons. D'abord, pour ne pas déranger les autres dans la synagogue. Et d'autre part, selon les Mekoubalim, il y a toutes sortes de forces maléfiques qui peuvent se servir de tes mots à mauvais escient. Donc, il ne faut même pas les écouter par ses oreilles. Il faut trancher, murmurer si faiblement, il faut quand même murmurer, mais si faiblement, sans faire marcher les cordes vocales, seulement les lèvres, avec un souffle, si faible que même tes oreilles ne puissent pas écouter, à plus forte raison, des oreilles de ton compagnon qui est dans la synagogue, c'est important de le dire, parce qu'il y a parfois dans des synagogues, des enquiquineurs qui prient à voix haute, et qui empêche tous les autres de se concentrer, c'est une arvéra. Donc, Amit Galé, qui se dévoile, à l'Edibou Ritsoni, avec une parole extérieure, c'est-à-dire c'est des paroles, des sons, Vigayon Plimi Beosraim, une pensée intérieure très très forte, avec une puissance de vie. Omegale Mitochiyut Aneshama, et ta megama shalatov aklali bichuso leze aprat ayechid shachav rakou inho megama de panache la maatir. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un vient supplier un grand sadique de prier pour lui, ben ce qui dérange ce quelqu'un, c'est qu'il a un bobo, et ça lui fait mal. Et il veut que le sadique intervienne, intercède devant Dieu, pour écarter ses petits bobos. C'est tout ce qu'il comprend. Un sadique ne veut pas sombrer dans une telle petitesse. Lorsqu'il prie, il est dans la grandeur. Parce que toute sa vie, elle est dans la grandeur. Donc même les plus petites choses, il les élève dans la sphère de la grandeur. Donc,
Ce bonhomme qui est venu chez le rabbi, chez le tzaddik, pour qu'il prie pour lui, son intention, c'est d'écarter sa souffrance, et pas plus. Mais lui, le tzaddik, il comprend en quoi ce petit détail réalise une entrave au dévoilement de Dieu dans le monde. Et c'est lui, c'est ça sa motivation essentielle. Pas seulement de venir en aide à un pauvre juif qui souffre. C'est aussi important parce qu'il est empli d'amour envers tous les juifs et toutes les créatures d'ailleurs. Mais sa motivation essentielle, c'est dans la continuité du divin. Il y a maintenant quelque chose qui bloque. Parce que par exemple, lorsque quelqu'un est malade et alité, eh ben, il n'est pas totalement fonctionnel. Et donc ces forces créatrices qui viennent du divin n'apparaissent pas dans toute leur vigueur. Donc en quelque sorte, le divin n'apparaît pas dans toute sa vigueur à travers ce bonhomme. Donc c'est en quelque sorte un barrage au divin d'apparaître dans ce monde. Et c'est ça ce qui motive essentiel ce tzaddik. C'est comme ça qu'il prie. Ô toi Dieu qui veux te dévoiler dans ce monde, eh bien voilà maintenant, il y a un barrage. Écarte ce barrage pour que tu puisses te dévoiler. C'est ça la véritable tefila. Les mancha Hashem, pour toi Dieu. Et alors, c'est cet homme-là, kol mevukash katan, nichlalu b'chefes gadol shebagdolim. La demande la plus petite, qui pourrait paraître la plus insignifiante, même la plus méprisable, tout s'élève à la grandeur. Il n'y a pas de petitesse dans la grandeur. Et c'est la Neshamak de là. Dans une grande âme, tout est important. C'est ce qu'on appelle, disait mon maître, le Rav Zuckerman, Adam Retzini. Quelqu'un de sérieux. Il y en a qui pensent que d'être sérieux, c'est d'avoir un visage blême et macabre. Non, tu peux être très souriant et très sympa et rempli d'humour. Aucun problème. Retzini, c'est le Rav Retzon Hashem Kodavar. C'est quoi quelqu'un de sérieux? C'est quelqu'un qui voit la volonté de Dieu dans tout. Évidemment, parce que Dieu se trouve dans tout. Donc tout problème, toute imperfection, est un barrage au dévoilement de Dieu. Donc tout problème est important. Rien de petit. Donc je suis sérieux dans toutes mes activités, dans toutes mes démarches. Je suis totalement investi dans tout ce que je fais, et je le fais en amenant le divin avec moi à le faire. Je ressens profondément que le divin est en moi, et de sa force, je suis en train d'agir pour le bien du divin. C'est Adam Retzini. Et c'est l'Anshama Gdola, Kol Chafetz Katan, Niyar Chafetz Gadol Shabak Dolin. Il continue. Kol Tsar Yichidi. Toute souffrance la plus individuelle. Kol Machov Vecholi. Toute souffrance, toute maladie. Kol Tsara Vetsuka. Toute détresse, tout malheur, asher ezu nefesh sovelet, qu'une quelconque créature souffre, kishu nirsham beneshama meira, lorsque ceci vient s'imprégner, impressionner une grande âme rayonnante comme ce tzaddik, amela tu veloi, qui est remplie de bonté divine, enenu od tsar. En route, Vihidi. Alors ce n'est plus une petite souffrance individuelle, ponctuelle. C'est une souffrance universelle. Ou Hové, les tsars ou la Miklali. Ils considèrent ça comme une souffrance mondiale générale. Juste pour imaginer cela, un des élèves du Gaon de Vilna, Rabbi Menaché Meilia, dans son. On appelle ça son calepin personnel, je sais pas comment on dit ça en français. Il y a des gens qui racontent leur vie tous les jours, ils écrivent. Comment ça s'appelle? Son journal personnel, je crois, un truc comme ça. Il raconte que si je sais que dans un des recoins du monde, il y a un petit ver, un petit serpent, un tout petit ver, qui est en train de progresser dans son sillon. Et un petit gravier qui l'empêche de continuer sa marche. J'en souffre énormément. Non, il y a des gens
qui ont d'autres problèmes dans la tête, dans la vie. Les grandes âmes englobent toutes les créatures et vivent toutes les créatures de manière très intense. Sont amoureuses de toutes les créatures, tout comme Dieu. Tov Adonai Lakol, Verahamav Alkol Maasav. Mais le grand sadique, il vit intensément la vie de tout le monde. Il ressent profondément les souffrances de tout le monde. Il ressent les joies de tout le monde. C'est une âme collective. Donc même quand il y a un petit bobo, une petite personne, qui peut effondrer cette personne, il le ressent très très fortement comme une catastrophe mondiale. Vesilouk tsarze, mevinara kolelet alofekachaim avaya. C'est comme ça qu'il voit les choses. Que si j'arrive à écarter cette douleur, écarter ce mal, ça va rapporter un flux de lumière général dans tout l'horizon de la vie et de l'existence. Les fiota mida shegadol ou ratzon shelatov haelohi vaneshama mitpalelet az. Donc évidemment, en fonction de la mesure, de la grandeur, de la volonté, du bien divin qu'il y a dans l'âme du prieur, en fonction de la grandeur de cette sadique. Et qu'est-ce qui fait sa grandeur? Comment un sadique s'élève? C'est important de le dire parce que il y en a qui pensent que c'est héréditaire. Si le papa était rabbi, alors l'enfant aussi sera rabbi. C'est une idée aussi sans pareil. Parce que si le papa est mathématicien, pas automatiquement l'enfant sera mathématicien. Mais exactement de même concernant la Kedusha, la sainteté, la Dvekut Bashem. On n'y parvient que par la lumière de la sagesse, par le travail sur notre personnalité. On ne naît pas tzaddik. Il n'y a pas de sang bleu qui court dans les veines. Ça n'existe pas chez nous. Une aristocratie de tzaddikim. C'est une idéologie sans pareil qui malheureusement s'est développée dans le mouvement de la Chassidout. Et qui a fait pas mal de dégâts dans le monde, parce que les gens, avec un petit peu de cervelle critique, quand ils voient un tel phénomène, ils s'écartent de cela, et malheureusement parfois ils abandonnent le judaïsme. Ils se disent, si c'est ça le judaïsme, de penser qu'un petit enfant de 7 ans, parce qu'il est le fils du rabbi, peut être lui celui qui va gérer la situation, il faut vraiment être idiot. Donc si c'est ça le judaïsme, je donne le guet au judaïsme. On ferme la parenthèse. C'est pour ça que le Rav Kook, qui lui était plutôt du Kivun Mitnagdim, pas du point de vue familial, parce que paraît-il qu'il avait une mère de ce côté, un père de ce côté, peu importe, dans le monde Ashkana c'est très important, mais dans sa façon de manière de voir les choses, c'était plutôt quelqu'un qui était très porté sur l'étude et pas tellement l'enthousiasme et l'extase et la mise en valeur d'une personnalité qu'on doit servir, etc. Comme dans le monde de la chassidoute. Donc, la Kedusha se fait, Bota Mida Shora Chochma, est une résultante de la compréhension profonde de la Torah, des dévoilements de Dieu dans le monde, etc. Donc, plus on a affaire à une telle personne, Ken Atfila Kolat, ainsi, sa prière va réussir à atteindre son objectif. Kolat et matarata. Les gilouy chefetz, osad poralo. Et donc le dévoilement de ce désir, de ce grand sadique, va faire son œuvre dans le monde. Comme il est dit, mekim dvar avdo va'atzat malachav yeshlim. Akadosh Baruch Hu réalise les paroles de son serviteur et les pensées de ses anges, qui sont ses anges, ses envoyés, les tzadikim, il les accomplit. Top. Bezrat Hashem, j'espère qu'on aura le temps de terminer. Comme ça, on peut faire un super siyoum. Amar Bilazar, Biedolat Fila, Yotem Bemarasim Tovim. Rabbi Lazar nous enseigne que la Tfila est plus grande et plus importante que les bonnes actions. Shelech Hagadol Bemarasim Tovim, Yotem Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas quelqu'un de plus grand que Moshe Rabbeinu en bonnes actions. Toute sa vie, il a fait des bonnes actions. Toute sa vie, il a sacrifié et consacré pour procurer du bien au peuple d'Israël, à tout individu, etc.
C'est la source même du chesed, mon cher Ben. Vafalpichen, et malgré tout cela, l'onana et la betfila, il n'a été exaucé que par la prière, et non pas par le mérite de ses bonnes actions. Sheneema, comme il est dit, Ravlach al Tosef Daber Elai, od. Lorsque Moshe Rabbeinu a supplié à Kadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël, alors qu'il avait été décrété qu'il ne rentrerait pas. Il a prié Vaet Hanan al Hashem, comme la valeur numérique du mot Vaet Hanan, c'est des centaines de prières, je ne parle pas plus de la somme, s'il y a quelqu'un a une calculette qu'il fasse, Tat Filot, je ne parle plus, 500 Filot, faites la valeur numérique. Donc il a prié énormément de prières, à tel point que Dieu l'a dit, stop, arrête là. Ne rajoute pas un mot. Sans quoi, s'il aurait rajouté encore un mot, il serait rentré en Eretz Israël. Donc cette fille-là aurait fait tomber le barrage du décret, et il serait rentré en Eretz Israël. Donc Dieu lui dit, t'arrêtes là. Stop. Il est obéissant, il arrête de prier. Donc on voit de là que toutes les bonnes actions de Moshe Rabbeinu, toute sa vie, il s'est donné à faire des bonnes actions à tout individu, à toute la nation, etc. Ceci n'a pas réussi à faire tomber le barrage du décret. Mais la prière était au point de le faire tomber, si ce n'est que Dieu l'avait arrêté. Donc on comprend de là que la prière est plus forte que le Maasim Tovim. Il explique. Ikrat nefesh tzadik imitzat tzitzit bechinot. Il y a deux aspects dans la grandeur du tzadik. Si déjà on va parler des tzadikim, c'est la troisième piska qui traite de cela. On va faire une analyse des facteurs essentiels du tzadik. Donc il y a deux facteurs qui font d'un homme un tzadik. Mitzad amarasim tovim, du point de vue de ses bonnes actions. Shem toldotem sel tzadikim, qui sont eux, on va dire les engendrements des tzadikim, comme il est dit, et les toldot noir his tzadik. Voilà donc la pérennitude, les enfants de noir his tzadik, c'est-à-dire les mitzvot que l'homme fait, les bonnes actions sont ses enfants dans ce monde. Amisuvavot à l'aider pour l'Othéa, qui découle de ses actions, de son âme. Omitzad Aïtaron Ayakar, Vanisgav, Shesgulot, Anefesh, Azaka, Beatzma. Et toutes ces actions, évidemment, découlent de la hauteur et de la capacité de son âme pure. Amurter et Bekinan Amidot, qui cette âme pure est couronnée des vertus, des montrées de caractère. Va muskalot amitiot et des véritables connaissances. Parce que les fausses connaissances font que on soit écarté de Dieu. Et les véritables connaissances, il y a une prière à Rofshit, un libre arbitre et le Rambam, de penser juste, de penser faux. Et lorsque tu penses faux, c'est une avéra pas moindre que, je sais pas, manger du porc, par exemple. Donc c'est ça ce qui fait la grandeur d'âme. Les midot et les connaissances. Et de là découlent finalement les bonnes actions. Ukshemechavelet i batefila, les davar yuchan, lorsqu'une telle personne a une intention profonde dans sa prière pour quelque chose de spécifique, chok natan Hashem idbarach, Dieu a gravé une loi dans son monde, shekfimi data erech vazakut shela, en fonction de la valeur et de la pureté de cette âme qui prie, kentoid latfila, ainsi sa prière sera effective et sera exaucée. Donc la prière, on a vu à plusieurs reprises, la réussite de la prière est fonction directe de la pureté de l'homme, de la grandeur de l'homme. Les Kanora, et là, il nous a enseigné Rabbi Lazar. Chez Ma'alat Azgula, chez l'Ikrat Anef, à chaque Dola, Mitzad Atzma, Olai Bioter Alikrata Mitzad Mikrahea Atovim. Que la grandeur de la capacité de l'âme, de la grande âme, en tant que telle, de sa valeur intrinsèque, est plus importante que sa grandeur du point de vue
ces expressions hasardeuses. C'est quoi ces expressions hasardeuses? Les ma'asim. Les ma'asim ne sont pas identiques à l'âme. Ce ne sont que des expressions. Ben Shoshan, excusez-moi, oui. Comment se dit-il à... disent « Amaasé » ou « Aïkar » Je ne comprends pas d'après ce que vous dites alors. Qui a dit « Amaasé » ou « Aïkar » Ben, je ne sais pas, j'ai toujours entendu « Amaasé » ou « Aïkar ». Non, il y a marqué dans la Gemara, il y a une controverse. Qu'est-ce qui est plus c'est important Babi, c'est ça. Attendez, il y a marqué dans la Gemara, il y a une controverse. Qu'est-ce qui est plus important, l'étude ou l'action? Conclusion de la Gemara, « Gadol Talmud, Amevi les Amaasé ». L'étude est plus grande, qui apporte à l'action. Donc si on dit que l'étude amène à l'action, donc a priori l'étude est un moyen, et l'action est l'objectif. Et donc l'objectif est toujours plus grand que le moyen. Alors décide. Quand on a posé la question qui est plus grand, l'étude ou le moyen, tu aurais dû dire l'étude ou l'action, tu aurais dû répondre l'action. Mais c'est pas ce que la Gemara a répondu. La Gemara a répondu l'étude. Mais elle rajoute, de quelle étude s'agit-il? Une étude qui amène à l'action. Ça veut dire que chez nous, une étude qui ne crée pas une révolution dans notre volonté à tel point qu'elle nous amène à nous comporter de manière meilleure, n'est pas du tout une étude. Mais sans aucun doute que l'étude est plus importante que l'action, car l'action n'est que un dévoilement partiel de notre acquis. L'acquis est beaucoup plus grand que ce qu'on arrive à exprimer de cet acquis. Mais qu'est-ce qu'est un acquis chez nous? C'est un acquis qui a une influence sur la volonté, et non pas un emmagasinement de données dans la mémoire. Ça, c'est chez l'égoïm. Il sait plein de choses. Comment? C'est dans la chassidut rabat, parce que vous savez, ils font beaucoup de... ce qu'ils appellent mifsaïm, ils font beaucoup de... Je le sais bien. Ils sont dans l'action, quoi, les jeunes. Je le sais très bien. Nous, on pense, Talmud Torah, Keneged Kulam, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. L'étude de la Torah est plus important que tout, parce que c'est ça qui forge la personnalité, c'est ça qui t'élève, c'est ça qui te fait grandir. L'action est importante en tant que dévoilement de ta grandeur, mais c'est pas elle-même la grandeur. D'accord. C'est clair? Oui, merci. Maintenant, on est en un cran avant, on parle de l'âme elle-même. Même pas des connaissances de l'âme, l'âme elle-même. Donc, l'action, on va dire, c'est une expression hasardeuse de l'essence, mais l'essence est toujours plus grande que l'action. Shem Amasim Atovim. Shem Kerech Mikrim. On peut les considérer comme quelque chose de acraï, d'accidentel, de hasardeux, mais pas essentiel, intrinsèque. Shem Kerech Mikrim Leitzem Anefesh Ateora Batzaka. Relativement à l'âme elle-même dans toute sa pureté, c'est secondaire. Et donc, Umashelo Yamoil Mishkal Amasim. On voit bien dans l'exemple de Moshe Rabbeinu. Tout le poids de ses actions qu'il a fait toute sa vie durant n'aurait pas été utile. En aucun cas, il n'a fait tomber le barrage du décret qui ne rentrerait pas en Eretz Israël. Par contre, Olé al edei mishkal ha'erech v'azakut shenikrat hakdusha mitzad atzma. Lui aurait pu tomber grâce au poids de la valeur, de la pureté et de la sainteté en tant que telle de son âme. Alors on va voir en quoi. Veraya me Moshe Rabbeinu. Et la preuve la plus irréfutable est celle de Moshe Rabbeinu. She'en gadol mimeno bema'asim tovim. Dans toute l'histoire humaine et de tout le peuple d'Israël, il n'y a jamais eu quelqu'un d'aussi géant en ma'asim tovim, en bonnes actions, comme Moshe Rabbeinu. V'chol ma'asav tovim, et malgré toutes ces bonnes actions, lo yachou l'avir et anigzar alav. Ceci-ci n'était pas, ne posait pas le poids pour faire basculer la balance et annuler le décret. Par contre, sa prière était sur le point d'annuler le décret, si ce n'est que Dieu l'avait arrêté. On voit bien que Dieu a eu un besoin de décréter, arrête. Arrête de me parler. Michlal, on a déduit de cela, Shosafat Adibour, que s'il avait continué de parler, de prier, ceci aurait eu beaucoup plus d'effectivité que tout le poids de toutes ses actions. Et ceci aurait pu faire tomber le décret. Vezeo de Samichle, allez Rochapisga, et c'est pour ça que finalement,
il n'a pas, sa prière n'a pas été totalement exaucée, mais malgré tout, elle a été partiellement exaucée. Dieu lui donne quand même quelque chose suite à sa prière. Monte sur la cime et de là-bas, vois Eretz Israël. Tu ne pourras pas rentrer, mais suite à ta prière, tu auras le mérite de la voir. Soit dit en passant, sachez qu'il y a une très grande importance de regarder la terre d'Eretz Israël, tout comme lorsque dans la synagogue nous élevons le Sefer Torah, il y a l'importance de voir les lettres saintes du Sefer Torah. Donc si déjà vous voyagez en voiture, en autobus, peu importe, ne perdez pas votre temps à surfer sur votre portable et internet, mais plutôt délectez-vous du paysage d'Eretz Israël, ça sanctifie votre âme, tout comme les Otiot HaKodesh du Sefer Torah. Et là on voit de l'histoire de Moshe Rabbeinu. Rentrer, tu pourras pas, c'est décrété, et je t'arrête de prier pour ne pas que tu rentres. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi Dieu ne voulait pas qu'il rentre. Mais, malgré tout, tu recevras quelque chose. Tu auras le mérite de voir la Terre Sainte. Et ceci est venu suite à la prière. Non pas suite au Maasim Tovim. Zou de Saint-Michler à l'Erosh HaPisga. Shekeshem Sheimaya Poel Kolmevu Kasha. De la même manière que si sa prière aurait été totalement exaucée et à l'idée au Safat Adfila, s'il avait continué de prier, ceci aurait été suite non pas par le poids des Masim Tovim, mais par la Tfila. Ken Machena Estam, donc on a déduit de cela que même quand il a été exaucé partiellement, Gamken, on les découvre à Tfila. Ceci provient de la cause de la prière, et non pas des Masim Tovim. Maintenant, pourquoi? Car la prière, ce n'est pas une expression accidentelle comme une action, c'est le déversement de ton âme. Shfichat nefesh, ça s'appelle la prière. Lorsque tu pries, au niveau où tu en es dans ton âme, ton seau, tu le déverses devant Dieu. Donc ça vient exprimer plutôt l'essence même de ton âme, et non pas les expressions partielles et ponctuelles qui apparaissent à travers les mitzvot ou les maasim tovim. Shuba me'etzem zulat anefesh v'achana v'tochna pnimi shuna ala mimikreha, qui est bien en-delà de toutes les expressions hasardeuses qui sont les maasim tovim. De où mipene, ceci découle du fait que le développement de la valeur de l'âme, alpis gulata pnimit, en fonction de toutes ses capacités antérieures, toute sa richesse, l'oracle des mekram idgale ou bitfila azaka, apparaît dans la prière la plus pure, shinikret shfichat nefesh. La prière s'appelle le déversement de l'âme. Vaishpoch et nafshi l'islachem, comme le pasuk dit, j'ai déversé mon âme devant Dieu. Baruch Hashem. Nous avons terminé cette étude extraordinaire. C'était véritablement une épopée. Donc, Adran Alach Agdama Shel Olatriya Vadrach Alan. Adran Alach Agdama Shel Olatriya Vadrach Alan. Adrach Alan Olatriya Vadrach Alan. Baruch Hashem. Koltou, portez-vous bien. Grâce à vous, nous avons le mérite de terminer cette étude. Je suis désolé pour le retard. Pas de problème.